Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne où je mangeais McDo chez Quick et inversement. Comme je les avais un peu embêtés les gars de chez Quick, j'ai décidé de me faire pardonner en acceptant leur invitation à goûter leur tout nouveau burger. Donc me voilà, je suis arrivé et puis on va voir ça tout de suite. C'est parti. Salut Clémence, ça va ? Ouais, enchantée. Je suis au marketing chez Quick. Eh ben nickel. Et je t'accueille dans le Quick. Super. Et aujourd'hui, on remplit mon estomac avec trois burgers. Mmh. Je crois que c'est ça. Le You Burger. Le You Burger. Le burger à ta sauce. Le burger à ta sauce. Donc j'en déduis qu'on peut choisir sa sauce. Oui, ben je vais t'expliquer tout ça. Ah, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Quick. Merci, vous allez bien ? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, est-ce que vous voulez qu'on vous propose des nouveaux burgers ? Ah bah avec plaisir, ouais. La béarnaise sauce piment des squelettes roquefort. Et du coup, moi, je te choisis ma sauce, là ? Ouais, oui, tu peux choisir ta sauce. Et ben, on va commencer dans l'ordre, je vais prendre béarnaise, alors. Mmh. Ouais, bah, moi aussi, alors. Allez ! Donc là, je vais manger trois menus quick en une matinée. Ouais. Et vous, votre préféré, c'est le béarnaise, c'est ça ? C'est ça. Tout le monde a sa petite étiquette avec le burger préféré. Tu testerais les deux autres ? Oui, je vais essayer les deux autres. Tu vas nous dire ton préféré ? Ouais. Et puis après, est-ce que j'aurais pour avoir un petit badge, moi aussi ? Ouais. Ah, nice ! Avec ma sauce préférée. Voilà, moi, je mise sur piment d'Espelette. Je crois, là, avec les trois noms, c'est celui qui me fait le plus envie. Ok, d'accord. Pour pas m'induire en erreur. Ah, on peut se dessiner. Tu dessines ta tête. Voilà. Moi, j'ai plein de frites dans ma tête. Oui, moi, je veux bien, s'il vous plaît. On s'est jamais aussi bien occupé de moi à Quick que ce matin. Ouais, j'aime bien. Alors toi, c'est pas grave, tu commences direct. Ok. Non, c'est bon. Mais merci beaucoup. De rien et bon appétit. Eh ben non, à tout à l'heure. Ah oui, parce que c'est pas le seul burger que je vais manger. C'est trop facile sinon. Donc déjà, je vois que la boîte est particulière. Exactement. Tu peux écrire ton petit nom, allez. Dessiner ta tête. Alors c'est oui, dommage parce que... Sur le corps d'une femme, ça ouais. Pas. Non, c'est au contraire. c'est un de mes grands fantasmes. Voilà. Voilà. Donc ça me représente. Je trouve que ça me ressemble bien. Donc ça, c'était sauce béarnaise, c'est ça ? Voilà. Donc ça, sauce béarnaise. Donc un petit pain un peu à l'ancienne, parsemé de petites graines un peu sympa. La salade dont je parlais. Ok. J'ai quand même assez... trop envie de croquer dedans. Je te laisse. Je le voyais dans la boîte, j'étais en train de me dire, j'ai envie de le manger avant que tu finisses ton explication. Ouais, trop bon. On est sur le burger personnalisable, parce que voilà, chacun peut choisir la sauce qu'il préfère. La sauce béarnaise, c'est une de mes sauces préférées, donc je prenais pas trop de risques avec ce burger. Attends de goûter les autres. Ouais, voilà, c'est ça. Pas sûr que tu sois obligé de finir. Alors attends. Déjà, tu vas me laisser manger comme j'en ai envie, ok? On m'invite pour manger un burger et finalement, je peux pas le finir. Non, je déconne. Mais moi, j'ai fini mon burger. J'ai trouvé super bon en vrai. J'ai limite envie d'en prendre un deuxième sauce béarnaise, mais... Prends déjà les autres. Ouais, c'est ça. Et après, on verra. C'est pas sérieux. En attendant, je peux me dessiner par contre. Ouais. Et ça, c'est cool. Parce que tu vois, justement, quand tu vas chez Quick, que tu manges ton burger trop vite comme moi parce que t'es un gros porc et que la personne raffinée à ta gauche, elle, n'a pas encore fini, tu peux t'occuper en te dessinant. Alors, j'essaye de dessiner à peu près la même tête que Brad Pitt, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ce mec. M'appelle plus en ce moment. Il n'est pas dispo là. Ah là, comme vous pouvez le voir, c'est moi, c'est tout moi. Alors tu me conseilles lequel après ? Bah, t'as qu'à prendre les deux. Comme ça, les deux direct. Comme ça, les deux direct. Ok, ça va. Mm. Je laisse tout ici ? Ouais, laisse ici, c'est bon. Tu rangeras après. Ah oui, d'accord. En plus, je vais ranger quoi. Rebonjour, je vais chercher les deux autres burgers. Du coup, je vais vous prendre les deux autres direct. Par contre, je suis pas sûr de manger des frites. Je veux bien avoir un gros estomac, un gros appétit et tout, mais quand même, je suis pas tout faire. Ah. Les deux burgers viennent d'arriver. Ben merci beaucoup. De rien et bon appétit. Merci. Donc je viens de manger celui où il y avait une petite femme dessus. Et maintenant j'ai un businessman et un homme super musclé. Alors j'ai cru comprendre que l'homme super musclé c'était pour me représenter, c'est ça ? Exactement, on a pensé à toi. Ah j'ai eu peur que tu répondes pas. J'allais me dire merde. Donc là j'ai les deux autres. Le rouge voilà. J'imagine que c'est piment d'Espelette. Et le bleu, roquefort. Ah oui, parfait. Me prends pour un con en plus, n'importe quoi. Donc là, je vais vous montrer quand même, il y a un monsieur archi musclé. Voilà, je sais pas, Alex ou PJ de la chaîne Body Time, un des deux, mais les voici. Qui tient un burger, oui. Parce que tu peux être musclé comme un ouf et manger des burgers, oui. Regardez-moi, prenez-en de la graine. Alors, voyons voir celle-ci. Alors ? Ah ouais. Ah ouais, celui-là est super bon. Il est bon, hein ? Moi, il m'en faut peu finalement, juste un burger et puis c'est bon, quoi. Donc, je tiens à dire que moi, j'entame mon deuxième. Ouais. T'es même pas la moitié du premier. Non, on a créé un site internet exprès pour l'opération. QuickYouBurger.com. Ah oui, oui, oui. Et qui te permet en fait de refaire la pub à ta sauce. Tu changes le visage de l'acteur, tu peux mettre le tien. Ah oui, comme par exemple ici, là, d'accord. Tu prends ta sauce, enfin tu choisis la sauce que tu préfères, ta petite musique, tu peux te mettre un costume, donc un costume un peu rigolo. J'en mets. Parmi les costumes rigolos, il y a un homard, une pomme
Ah, la pom-pom girl, ça m'irait bien. Voilà, il y a un nouveau personnage là qui est arrivé il y a pas très longtemps, on a mis un clown. Donc après, ça génère automatiquement la pub. Ok. On peut avoir le businessman ou pas? Non, il n'y a pas de businessman. On a par contre un mec un peu Vegas. Alors c'est quoi un mec un peu Vegas? Un mec un peu bling bling. Ok. Alors c'est cool parce que le piment d'Espelette, j'ai l'impression qu'ils sont tous très... Enfin, les sauces sont très goûtues au final. Parce que la béarnaise, il y avait du poivre qui relève vachement le truc. Et là, le piment d'Espelette, c'est pareil, c'est fort. Exactement. Moi j'aime beaucoup ça, donc ça me plaît bien. Mais moi je crois que c'est ma préférée là, jusque là c'est le piment d'Espelette. J'ai pas encore le roquefort, et d'ailleurs je pense que je vais m'arrêter là pour le piment d'Espelette, sinon je pourrais jamais mettre un gros roquefort. Donc maintenant le roquefort. Est-ce que ça sent quelque chose? Ah ouais, ça sent, ok. Ouais, y a pas de doute, c'est roquefort, ouais. Voilà, c'est le roquefort. C'est marrant parce que c'est ça, c'est t'as 3 burgers, t'as juste la sauce qui change, mais moi j'ai l'impression d'avoir mangé 3 burgers vraiment différents du tout au tout quoi. Mon burger c'est le piment d'Espelette, c'est bon, c'est sûr maintenant que j'ai croqué dans le roquefort aussi. Donc j'irai faire ma pub, je me mettrai en mec Vegas avec voilà. Le piment d'Espelette. Un petit dessert? Non. Non, ça ira. Je crois que je serai la seule personne à arriver et commander les 3 burgers d'un coup quoi. Toujours le mec relou au quick qui fait ça. Bah, moi, je vais pas pouvoir continuer plus loin que ça. Tu en as encore plus sympa quand tu manges quick chez quick. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. C'est peut-être comme ça qu'il faut faire en fait. Donc voilà, piment d'Espelette, béarnaise et roquefort. Moi, vraiment, mon préféré, ça a été piment d'Espelette. Je vais pas vous mentir. Bon, bah, du coup, moi, puisque j'ai fini de manger, je vais aller ramener ça. Oh, merci, c'est gentil. Voilà. Et en tout cas, merci de m'avoir invité à déguster ces You Burger. Et là, en plus, c'est cool parce que j'ai vraiment le. Bah, le quick, on a le quick pour nous, en fait, on peut le dire, quoi. Exactement. C'est la première fois où je suis dans un quick, où je suis tout seul, quoi. Je vais pouvoir me balader un peu. Ah, yes, l'espace des jeux pour enfants. Putain. Donc voilà, je pense que je vais finir la vidéo là. Là, j'ai le ventre rempli de ouf, je me sens comme un gamin. Donc, ah, faut sortir. C'est bon, t'as fini de jouer. Mais j'étais bien, moi, ici. Alors, j'ai mon petit badge. Tiens. Yes. Oh, c'est piment. Ouais, c'est piment. Le Hugo Burger. C'est le meilleur, le Hugo Burger, franchement. Je te dis merci de m'avoir invité. C'était très bon. C'est je suis content qu'on ait réglé ce différent de McDo chez Quick autour d'un bon burger à l'ancienne. Salut.